Synergie des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu. Déclaration relative aux résolutions du mini-sommet de Luanda en Angola. Nous avons lu avec toute attention le communiqué final du mini-sommet sur la paix et la sécurité dans la région orientale de la République démocratique du Congo, un pays souverain. Et appelons toute la population congolaise à la vigilance et dénonçons ces graves complots internationaux contre notre pays, la RDC. Nous saluons le point 4 de ce communiqué qui stipule que l'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir un calendrier de mise en œuvre des actions prioritaires en vue de la cessation des hostilités et du retrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et de la coordination des opérations de Luanda et du processus de Nairobi. Nous félicitons le chef de l'État d'avoir exprimé tout haut l'acquisition par le M23 d'armes et d'autres moyens de plus en plus sophistiqués pour mener des attaques contre nos forces armées de la République démocratique du Congo FRDC et dont les principaux fournisseurs sont le Rwanda et l'Ouganda. Malgré les félicitations accordées par les chefs d'État participant à ce sommet pour les résultats de leur initiative prise dans le cadre des processus de Luanda et de Nairobi, à savoir l'opérationnalisation du mécanisme ad hoc de vérification du 9 novembre 2022 et le déploiement des troupes de la force régionale de l'EAC dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu en RDC, nous, peuple congolais, exprimons notre désaccord avec le déploiement de ces troupes de l'EAC, plus particulièrement celle de l'Ouganda, qui a toujours été la principale base arrière du mouvement terroriste du M23, au même pied que le Rwanda à ce qui concerne le ravitaillement en troupes et en munitions. Nous fustigeons les plans macabres de la communauté internationale visant à pousser la RDC à négocier avec les terroristes qui ne cessent de causer la mort et désolation au sein de la population en maintenant l'embargo à notre pays qui est en guerre. Cependant, vu que les terroristes du M23 n'ont répondu favorablement à l'appel du cessez-le-feu et des retraits immédiats tels qu'est sorti du mini-sommet de Luanda sur la paix et la sécurité dans la région orientale de l'RDC, nous, la population congolaise du Nord Kivu en général et de Goma en particulier, réunissons des différents mouvements citoyens et organisations de la société civile, disons non à l'entrée de l'armée ougandaise sur le sol congolais dans le cadre de la force de l'EAC, car ils sont déjà à travers le M23. L'Ouganda égale M23 égale Rwanda. Exigeons au Conseil de sécurité des Nations Unies de lever dans 48 heures l'embargo sur l'achat d'armes contre la RDC. Dans le cas contraire, nous leur exigerons de fermer toutes les agences dans notre pays. Nous refusons catégoriquement la création d'une zone tampo. Sur ce, nous donnons 48 heures à l'armée kenyane venue pour aider les FRDC à mettre les terroristes hors d'état de nuire, à pouvoir s'y mettre, car nous n'avons pas besoin de notre observateur touriste comme la MONUSCO. Nous refusons catégoriquement l'intégration des terroristes du M23 et toute autre force négative dans notre armée loyaliste, mais nous encourageons tous ceux qui se reconnaissent comme État congolais de pouvoir suivre les processus de désarmement tels que définis par le programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation, PDDRCS en sigle. Nous appelons les autorités congolaises à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et non aux intérêts familiaux. Nous appelons le président de la République, chef de l'État, de mettre les moyens suffisants nécessaires pour les opérations militaires en cours et activer l'inspection générale des contrôles des FRDC afin de s'assurer de leur arrivée à destination et la bonne utilisation. Nous appelons toute la population congolaise à la vigilance, car la paix durable ne viendra pas de l'étranger. Seul le peuple congolais ramènera la paix durable dans notre pays. Méfions-nous des forces étrangères, car la complicité contre notre pays est profonde.
Vive la République démocratique du Congo, vive l'unité du Congo, vive le peuple congolais, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Namukuse ezali pona ko dénoncer complot international pona mboka na biso Afrika bazalaki na Luanda pona kolobela likambo ya insécurité na Este. Likambo ya kokama ba dirigeants yango ba reconnaître que M23 eza na ba armes sophistiquées mais tile lo Conseil de sécurité à Nations Unies ezo maintenir embargo pona mboka na biso. Yango to pesi 48 heures na Conseil de sécurité des Nations Unies ko lever embargo wana soki ba lever yango te balongwa na mboka na biso Congo. To pesi 48 heures na armée kenyane e ba na opération parce que mapinga ya ba terroristes ya M23 ba respecter ba engagement oyo ba chef de l'état bazwaki ultimatum ba pesaki na Luanda. Yango to sengi na population congolaise d'ici jeudi une mobilisation générale to kosala sit-in na ba bureau nyonso ba siège nyonso ya Conseil de sécurité des Nations Unies pour na ko exiger levé ya embargo pe ba militaire ya Kenya ba kota bitumba po ba yaka ki po na tourisme te ba ye po na kosunga mboka Congo. Et bino boko ya communauté internationale bon di masusu et ya se etia ba mapinga na bango to to via zambi to zone ni mae ya CPT yango to sengi na ba congolais pe na kati ya mboka na biso ekoya na ba étrangers te biso ba kolomboka ba congolais nde to kopesa kimia na mboka na biso to tole mela likambo wango po to déjouer complot international yango pe to lobi na EAC to lingi Uganda te na mboka na biso parce que Uganda aza M23 Uganda nde azo ravita M23 Uganda nde azo jouer base arrière po na ba terroristes M23 yango to lobi boye peuple congolais nyonso to telema po to déjouer complicité internationale yango bazo sala pour na kokabola mboka na biso yango to lobi jeudi to sengi population mobimba et telema pour na ko mettre fin na complot wana to kobanda na Goma le premier jeudi oyo na ba city na ba manifestation ti Nations Unies ko lever embargo pour na mboka na biso Jacques Sinzaera ya Burundi a lobi que ba armée ya région ba kotika na bino ti mokolo bokozwa donc pe na mboka oyo yo lobi ni réaction na bino yango ne to lobi to boyi ba création ya ba zone tampo wana bakonzi ya Afrique wana bayebake na concession na biso balobi ke force étrangère ekoya ko sécuriser mboka na biso Burundi baza na barebelle na bango bareta tabara basolola na bango pona nini Burundi ezoya kotia kimia epa na biso bazoko kate kotia kimia epa na bango yango nde tozosenga toza na armée moko FRDC pe FRDC yango nde kozongisa kimia président de la République alongola ba infiltré wana bakangaki ba généraux msusu mais soki un lieutenant général aza complice na kati ya insécurité ya mboka ça veut dire eza na ba colonel na ba généraux msusu o baza sima na ye il faut bakanga batu banguna nyonso wana po mboka na biso zwa kimia kimia koya na voisin te bayeba ke congolais asi ayebi plan na bango pe congolais aza prêt ko telema pona ko mettre fin na complot wana Mutunda ya suka le Jacques Sinzaera président ya Burundi ya lobi babotika la ti mokolo mboka yokozala na mapinga na police oyo ekokoka koprotéger bato nyonso na mboka toza na mapinga eza nde complot international yango to dénoncer awa yango nde tosenga peuple congolais batelema kimia ekoya na étranger te kimia ekoya na biso ba congolais yango nde tosenga na congolais nyonso osika bozali to telema contre complot international wana mpo na Congo soki baleve embargo ba militaire na biso mboka na biso emi doté ba arme eloko wana ekosila na mboka na biso mpe tokozwa kimia ya solo parce que constitution na biso lobi toza kaka na deux forces police na armée nde ekosécurize mboka na biso yango soki baye bakozala superviseur na FRDC toboyi makambo ya bazone tampo wana mpo eza plan ya balkanisation et depuis lobi lundi bamateriel ya bitumba ya baforce kenyane oki okoma na mboka oyo analyse na bino ya nse likambo ya kokamwa eza ke Rwanda nde yango ezobundisa biso mais to comprendre te comment est-ce que matériel oyo ezoya mpona kobundisa barwandais eleki lisusu na Rwanda wana eza complot munene yango toloba bakongolais totelema comment ça fait-il que banzela eza ebele Kenya soki bayeba aza force ya EAC balingai baleka na Bunagana mpo
pour la biso ke baye kaka pour la bitumba mais baleki na Rwanda yango la kisike na Kenya na Uganda na Burundi bango tu baza ba complice pour na kobundisa mboka na biso peuple congolais lelo tozui président oyo azana courage ya koloba tuho banguna ya Congo tozana président de la république oyo azola kisa parce que 18 ans dira oyo prédécesseur ya président soki ezaki na courage neti kiseke dazana ngo mbele mboka na biso ezui kimia ya solo pe kimia ya malamu lakini sasa mnakuwa mbele ujumbe ni kusema tuna salimu kwanza hiyo jambo imepitikana huko Luanda na tunasema wakuu viongozi wamesema wenyewe kwenye minisome ya Angola kwamba M23 ina vifaa kali kuzidia Monisco na kuzidia jeshi letu ndio kwa hiyo tunasema kongomani yote tusimame Monisco ama vile UN tunaipatia dakika 48 waondoe hiyo embargo ameweka kwa ajili ya Kongo ili ijinunue vifaa vya kupigana vita. Kwani wa president wa Afrika wenyewe wameisema na tumesema kama hawaifanye kwa hiyo masaa 48 tutasimamia hiyo jambo tunaita raia wote siku ya 4 kuandamana na kupiga goti kwenye hiyo maagency yote ya UN kwa kusema wale wa complice ambao uko wanafanya complot juu ya nchi yetu waondoke na tuhakikishe kama nchi yetu itapata amani kupitia wakongomani wenyewe bila watu kutoka nje. Lakini majeshi wa Kenya kwa kuja hapa Kongo wameweza kupita ndani ya nchi jirani la Rwanda na mnasema kwamba ni Rwanda ndio inawatatiza. Ni kipi mtazamo wenu? Si ndio tuko tunaita raia wote kwa kusema tu denoncer hiyo complot international. Tunashangaa namna gani vifaa imekuja kwa kupiganisha Wanyarwanda kwa kupiganisha nchi ya Rwanda ambayo inatesa wakongomani, inaleta ukosefu wa usalama, imeua ndugu zetu Ruchuru na hiyo vifaa vinapita tena Rwanda. Ndio maana tunasema hiyo complot iko kabambi na sisi wananchi wenyewe ndio tutasimamia hiyo jambo na kusema hiyo jambo iishe. Rais wetu ameonyesha kwamba hawezi zungumuza na wale wa mabandia wa M23 na raia iko nyuma yake. Na kukua raia kuwa nyuma yake ni kusema tuandamane kwa kuonesha hizo nchi ambazo ziko na complote kwa ajili ya nchi yetu kama wakongomani wamekuwa vigila na watasimamia hiyo jambo kusema hiyo complot international iishe. Iwe Kenya, iwe Uganda, iwe Burundi, haiko ndio wataleta amani ndani ya nchi yetu. Amani ya kweli ni kwetu, kwani tumeona vifaa vimepita Rwanda. Tunajua kama ilikuwa Rwanda iliweka ndani nini na kunajua walizungumza nini kupitia Rwanda. Na ndio maana tunasema peuple congolais, sisi wote tukua nyuma ya Rais Tshisekedi kwa kudenonce hiyo complot ambayo president wetu yeye mwenyewe amesema hawezi akaitika kunegosia na wale wa teroriste. Na hiyo yote kama Kongo imepata hiyo espoir, tumepata rais ambaye anasimamia hiyo jambo na kukataa hiyo uongozi mbaya. Miaka 18 imepita. Rais wa zamani angekuwa anasimamia hii jambo kama Tshisekedi anasimamia, kama leo Kongo imepata amani na kama hivi kundi vya nje haviwezi tena kusumbua nchi yetu na kutudharau. Lakini mnawapiga marufuku na hawajaingia uwanjani wapambane. Ni masaa machache wamekuja Kongo. Kwa nini hivyo kuchanganyisha basi serikali? Hatuchanganyishi serikali, kwani wamekuja tumepata mission ya UN ambayo imefanya miaka zaidi ya 22 ndani ya nchi yetu na haijaweza rudisha amani ya usalama. Tukikumbuka nchi ya UN ilikuja kwetu kulikuwa group arme mbili, lakini leo tuko nazo zaidi ya 38. Na ndio maana tunasema hatupendi wengine wa turiste kama vile ilikuwa UN kwetu. Ndio maana tunasema Wakenya waende kwa vita, kama aende kwa vita warudi kwao, kwa sababu hatupendi wa turiste wengine ndani ya nchi yetu. Asante. Asante. Chachi, kabula ni kwa kwenye nchi kwa bugabu. Monsieur Jacques, pourquoi vous distribuez ces tracts? On peut savoir pourquoi? Nous distribuons ces tracts pour que la population de Goma sache que nous devons nous lever pour déjouer les complots internationaux contre notre pays. Et nous appelons toute la population à une mobilisation ce jeudi pour faire un sit-in devant les agences des Nations Unies pour demander la levée de l'embargo sur l'achat d'armes contre notre pays agressé et demander aux Kenyans qui sont ici à travers l'EAC d'aller affronter les rebelles parce que déjà le délai est déjà expiré selon les mini-sommets de Luanda.
De quel complot parlait-il? Du complot international, parce que ça s'est dit, notre pays est agressé et on continue à maintenir l'embargo sur l'achat d'armes. Nos militaires sont au front, il y a des armes qui bloquent et ils n'ont pas d'autres armes à remplacer. Quand le pays commande des armes à l'étranger, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui bloque notre armement. Voilà pourquoi on appelle toute la population à une mobilisation générale, parce qu'on ne libère pas un peuple, le peuple se libère. La patrie ou la mort, nous allons vaincre l'ennemi, parce que le complot est profond. Aujourd'hui, les Kenyans sont chez nous, ils veulent encore amener l'Ouganda. Nous, on dit on ne veut plus de l'Ouganda parce que Ouganda égale M23 égale Rwanda. L'Ouganda fournit les munitions et les troupes aux rebelles du M23 et on n'acceptera pas les gens qui ont tué nos frères à Rutshuru venir encore dans une force sous-régionale. Mardi 29 novembre 2022. Nous recevons Monsieur Chance Matale, l'activiste de Goma. Merci beaucoup, Monsieur Chance, d'avoir répondu à cet appel. Alors, aujourd'hui, nous avons quelques questions d'actualité que je voudrais bien qu'on analyse ensemble. Mais on commence par le troisième round du dialogue de Nairobi qui s'est ouvert hier. À Nairobi, on a suivi les discours du président Tshisekedi, les discours du président rwandais, c'est lui également du Burundi. En général, comment vous analysez cela? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la réalité est loin d'être triquée parce que nous connaissons déjà la réalité des choses. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas continuer à nous distraire avec des assises qui ne produisent pas de bons fruits. Nous voulons la paix. Nous voulons ce que la communauté internationale puisse savoir que c'est depuis des 20 ans d'années, La population congolaise est accroupie dans une guerre sempiternelle. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous voiler les yeux que c'est ce dialogue qui va nous amener la paix. Aujourd'hui, nous sommes derrière une position qui est la position même de notre gouvernement, que nous continuerons à traiter les M23 comme des terroristes et nous ne pouvons pas engager un dialogue avec des terroristes. Et donc, la communauté internationale, dans leur couloir politique qui sont en train d'organiser dans des réunions nuisibles, parce qu'on est en train de nous présenter des réunions officielles, mais il y a d'autres réunions nuisibles qui sont en train de planifier des choses nuisibles à la population congolaise. Par exemple, nous savons que la communauté nationale, jusqu'à aujourd'hui, ils mettaient l'embargo contre la RDC. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous procurer de l'armes. Et pour ça, ils sont en train de soutenir la même communauté internationale qu'on continue à soutenir le M23 avec des armes. Sur base de quoi vous dites que la communauté internationale serait ou bien soutiendrait le M23? Mais vraiment, je l'ai dit tantôt que la réalité aujourd'hui est loin d'être triquée. Nous savons que c'est la même communauté nationale qui sont derrière tous les accords qui ont été conclus en RDC pourvu que nous ayons la paix. Même le même M23, est-ce que n'est-ce pas le même RCD de 2002? N'est-ce pas le même CNDP de 2008? N'est-ce pas le même M23 qui ont même envahi la ville de Goma en 2013? C'est le même M23 aujourd'hui. Et la même communauté nationale sait bien qu'ils sont en train de se placer derrière le Rwanda. La population sait très bien que la communauté nationale est complice de cette guerre que nous sommes en train de faire. Quand vous parlez de la communauté internationale, c'est qui la communauté internationale réelle? Mais la communauté nationale, c'est le pays moins que le Congo. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, il y a un complot international. Qui sont ces pays? Moi, je vais le citer d'ailleurs, à citant nommément ces pays qui sont en train de nous envahir ou d'être là pour qu'on complicité avec nos ennemis. Moi, je vais citer l'Amérique. Je vais citer la France, je vais citer l'Angleterre, je vais citer la Belgique, je vais citer la Grande-Bretagne. Tous ces pays sont derrière les M23 et qui ne nous voient pas les yeux. Nous savons très bien qu'ils sont en train de soutenir les Rwandais. En hypocrisie, ils concluent des accords qui ne produiront rien. Nous n'avons pas confiance à ces accords. Alors, revenons sur cette déclaration du président kenyan. On l'a suivi. Il a dit, je cite, disons le président burundais, pardon, les armées de la région resteront avec vous, c'est-à-dire nous, les peuples congolais, pour assurer votre sécurité jusqu'à ce que les gouvernements de la RDC se constituent une armée et une police qui seront protectrices de tout le monde, a dit Ndayishimiye.
Chers frères, quand il utilise même le vocable jusqu'à ce que, vous ne voyez pas que c'est dans l'indéterminé. Et donc, ce n'est pas loin de la MONUSCO. La MONUSCO est ici jusqu'à Zakan. Est-ce qu'ils ont déjà maintenu la paix ici chez nous? Et donc, nous comprenons que la même force qui est venue comme s'ils vont nous aider en force ou en armes, donc continuera aussi à rester en République démocratique du Congo, comme la MONUSCO qui ne nous aide à rien aujourd'hui. Et donc, si nous sommes en train de crier l'inactivité de la MONUSCO, et donc aujourd'hui nous décrions l'inactivité de l'AEC, parce que ici récemment, le 23 novembre, on a conclu des accords à Luanda, comme quoi si l'ultimatum de vendredi le 26 passera, on va utiliser la force contre les M23. Mais jusqu'à aujourd'hui, les MNAC est en train de déambuler à Goma comme l'ancienne MONUSCO, sans rien faire. Et donc, mais bientôt, il y aura des offensives qui seront lancées. Mais les offensives dans la parole, nous voulons les offensives dans la pratique, papa. Vous voulez quoi concrètement? Concrètement, nous voulons ce que l'EAC se coalise avec le FARDC ainsi que notre gouvernement pour qu'ensemble nous puissions mettre les forces ensemble pour contredire ou pour mettre hors d'état de nuit l'ennemi qui est l'M23. Et ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de décrier l'inactivité de ces EAC, parce que jusqu'à aujourd'hui, ils devraient utiliser la force pour nous aider à mettre les M23 hors d'état de nuit. D'accord. Revenons, nous avons suivi la déclaration de M. Sendou, l'ancien du M23. Aujourd'hui, il s'est dit en tout cas prêt à combattre contre les M23 pour apporter son appui au FARDC. Comment vous analysez cela? Papa, aujourd'hui, vraiment nous avons du mal à comprendre beaucoup de choses, parce que l'histoire risque de se répéter. Vous vous souvenez, je pense à 2013, lorsque Taganda et Makenga, ils ont entretenu un conflit machiavélique, un conflit triqué, comme quoi ils vont se combattre pour chercher la paix en RDC eux-mêmes. Non, l'histoire risque de se répéter dans ces pays. Donc selon vous, ne pas faire confiance à... Nous savons les membres du M23, nous savons les acteurs du M23, même ici dans la ville de Goma, au nord, qui nous les savons. Et ils ne peuvent pas aujourd'hui nous dire qu'ils sont derrière les Congolais. Ils sont toujours avec ses ennemis. Alors, les messages pour finir que vous avez envie de transmettre au FARDC? Moi, ce que je soumets à nos forces armées est qu'ils gardent leur sang-froid. La population est derrière nos FARDC. La population est derrière le gouvernement. Que le gouvernement reste à sa position de ne pas dialoguer avec les terroristes. Nous allons nous mobiliser. Nous allons mobiliser la ville. Nous allons mobiliser la province. Nous allons mobiliser la République pour qu'ensemble nous puissions mettre les forces ensemble pour que nous puissions mettre hors d'état de nuit l'ennemi qui nous menace d'ira 20 ans. Et c'est le Rwanda, l'Ouganda et la communauté nationale et leurs complices. Nous les savons très bien. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Merci beaucoup, Monsieur Augustin. Merci.